Hi, Doug. Honey? Hello. What are you drinking, he says? Nothing right now. Oh, welcome back from the wilderness. To what do we owe the pleasure? Callahan was testing a backup generator. There was a power surge and the system's failure. How can that be? It can't be, theoretically. Unless you've been screwing around with the electrical specifications. Being rather blunt, isn't it? You betcha. Then you'll understand my being equally blunt. What the hell business is it of yours, anyway? Well, I'm just wondering what kind of kickbacks were involved. I don't have to take crap from you. Now, listen. We had an electrical flare-up in the main utility room. It looked to me like some of that wiring wasn't exactly what I asked for. Every piece of wire I put in that building is strictly up to code, inspected and approved. The code's not enough for that building. And you know it. That's why I asked for installations that were way, way above standard. Buddy, you live in a dream world. I deal in realities. I want your wiring diagrams and copies of your work orders. It'd take weeks to get all that together, and someone with a lot more clout than you to make me do it. In my office, tomorrow, 9 o'clock. Say he used to wrestle grizzly bears in Montana. Of course, he was younger then. Probably in better condition. You must have enjoyed all this immense. No, I didn't. Actually, I'm depressed for both of us. What'd you expect me to do, punch him in the nose? Roger, if you've done anything to Dad's building, God help you. Baby, I don't need God's help. Or your old man's, not anymore. So don't expect me to shake every time Daddy barks. Even if that's what you want me to do. All I want is the man I thought I married. But I guess we're running out of reasons to stay married, aren't we? It's getting late. You mustn't miss the party. Salut. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que vous buvez ces temps-ci? Rien pour l'instant. Eh bien, le désert ne vous manque pas trop? Qu'est-ce qui nous vaut ce plaisir? Callahan vérifie un générateur auxiliaire. Il y a eu une poussée de tension et une rupture de circuit. Je ne vois pas. Moi non plus, en théorie. À moins que vous n'ayez joué avec le cahier des charges des fournitures électriques. C'est passablement brutal, non? Oui, très brutal, oui. Dans ce cas, je me permets d'être aussi brutal. Pourquoi vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Je me demande à combien se sont montés les dessous de table. Si vous saviez comme je vous méprise. Écoutez-moi bien. Il y a eu un court-circuit et une gerbe d'étincelles dans la centrale technique. Et pour moi, les câbles n'étaient pas tout à fait ceux que j'avais prévus. Le moindre fil, le moindre câble que j'ai fait monter était réglementaire, inspecté et approuvé. Le règlement ne suffit pas pour cette construction. Et vous le savez, c'est pour ça que j'ai voulu une installation supérieure à la norme standard. Mon cher, vous vivez dans un autre monde. J'ai les deux pieds sur terre. Je veux vos schémas de montage et les copies de vos bons de commande. Il faudra des semaines pour les réunir et quelqu'un de plus costaud que vous pour m'y forcer. Demain, 9h, à mon bureau, c'est clair? On dit que son passe-temps était de se battre avec des ours. Il était plus jeune alors, et sûrement en meilleure forme. J'imagine que cet incident t'a bien réjoui. Non, figure-toi. Je te dirais qu'il m'a profondément déprimée. Tu voulais peut-être que je lui fiche mon poing sur la gueule? Si tu as fait quelque chose qui fera tort à mon père, Dieu te protège. Je me fous de la protection de Dieu et encore plus de celle de ton père. Je ne vais pas m'aplatir chaque fois qu'il va aboyer. Et je le regrette si c'est ça que tu veux. Tout ce que je veux, c'est retrouver l'homme que j'ai cru épouser.
Il n'y a plus grand-chose qui nous oblige à rester mariés, n'est-ce pas? On est en retard. Papa n'aimera pas ça.